Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez votre dose de bonne humeur quotidienne. C'est un fait, cette vidéo est là pour ça. Considérez cette vidéo un peu comme un film, vous savez, avec une introduction, des péripéties, un peu de positivité à certains moments, bref. C'est un peu votre séance ciné du jour. Installez-vous avec vos popcorns, votre petite boisson à côté, et profitez. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la première Zilane que j'ai vraiment beaucoup tryhard. Pour cette Zilane, on s'affrontait sur 10 jeux. Comme à chaque Zilane depuis que je participe, il y avait deux phases. Dans un premier temps, la phase 1, qui éliminait une grosse partie des joueurs, et ensuite la phase 2 pour en sortir des quarts de finalistes. Ensuite, après les quarts de finale, il y a la demi-finale et la finale, bien évidemment, pour décerner le grand gagnant. On va pas commencer la vidéo tout de suite à la Zilane. Remontons une semaine avant. Le vendredi 1er avril, j'ai effectué 500 beaux kilomètres pour me retrouver jusqu'à Lyon. La raison, c'est qu'en fait, on avait organisé un bootcamp avec Drago et Fatou. Merci beaucoup à MCES qui nous a permis de l'organiser aussi. Le but de ce bootcamp était que pendant une semaine, on allait pouvoir s'entraîner face à face, ensemble, dans le même appartement, et aussi pouvoir s'entraîner sur les épreuves en relais. Parce que dans cette Zilane, il y aura des épreuves en relais. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas regardé, vous avez sur la playlist Zilane 2022 les 5 vidéos du bootcamp qui sont sorties. C'est pas des vidéos que training sur les jeux, au contraire, c'est beaucoup de vlogs et beaucoup d'IRL. En plus, on a développé un format qui s'appelle le Secret Bootcamp où on style les uns les autres. C'est très très drôle, très fun à regarder. C'est environ 8 minutes de vidéo. Si vous n'avez rien à faire après celle-là, je vous invite à les regarder parce qu'en vrai, à titre personnel, même si je l'ai vécu, je me lasse jamais de les regarder. Toutes ces vidéos seront bien évidemment dans la description. Même si la Zilane se déroule sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, la compétition ne commence pas vraiment le vendredi. On se retrouve le jeudi 7 avril. Ouais, ça va les gars? Samy, tu sais que regarde, pourquoi je suis obligé de monter? T'es mon petit frère là. Pourquoi je dois monter pour te voir? Voilà, comme ça là t'es mieux. Non mais c'est vrai. Les gars, vous notez ma coupe un peu sur 10? J'ai changé hein. Je suis à nouveau Samy. T'as remarqué que ton crâne il était pas droit genre? Il fait un... il rebique là. Ouais, me frappe pas. Ah non, attention parce que tu peux détruire mes neurones à la Zilane. Alors actuellement, on a un problème. Un problème de PC de ce monsieur. Deuxième fois en 6 mois. Moi aussi je suis au confessionnal les gars. Va falloir que je vous raconte un peu ce mois de training de Zilane assez compliqué. Parce que bah moi j'endosse aujourd'hui le rôle de manager de cette équipe que vous aimez tant to go hard. Savoir gérer le mental des troupes, le physique, faire des réflexions et savoir rigoler. Tout ça sans que personne ne le prenne mal. Et ça, les gars, c'est un job qui est extrêmement compliqué. Enfin, je trouve personnellement. Demain, c'est le premier jour de la Zilane et j'ai trop, trop hâte. J'espère vraiment les voir performer sur cette Zilane. Sinon, honnêtement, je pense que je serai tellement déçu. C'est pas un trio d'individualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un trio qui est certes moins fort sur le papier que d'autres trios. Comme ce n'est pas un trio d'individualité, donc... tel joueur fort là, tel joueur fort là, tel joueur fort là. En fait, ils ont une cohésion d'équipe qui est juste incroyable. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, je peux les voir performer à cette LAN. Je suis mon premier confessionnal, car je viens d'arriver à Lyon. Confessionnal peut-être un peu long. Peut-être un peu long, il est vrai. Et je vais avoir encore énormément de choses à vous dire, les gars, parce qu'on va pas mal vlogger. Je vous laisse, les gars. À bientôt, bisous. Non, c'est bizarre. Hein, oh, les gars, vraiment? Je vous jure, ma coupe, je crois, elle est incroyable. Oh putain, non mais ça va, tu t'uses pas un peu, toi? En gros, pour vous expliquer, à chaque fois qu'on arrive à la Zilane, on est censé faire un check-up. Donc là, ce qu'on fait, on donne notre billet parce qu'on a acheté un billet pour pouvoir venir. Et ensuite, on doit faire passer à la file d'attente parce que, en fait, on doit nous mettre nus, prendre une douche et rentrer parce qu'on est des gamers et qu'on travaille beaucoup. On n'a pas pris de douche depuis un mois et demi. Du coup, là, voilà, on va passer à la douche devant. Ouais. Je suis un peu content parce que juste devant moi il y a Kenny Stream, c'est-à-dire que je pourrais prendre une douche avec Kenny Stream. Après, eux deux, j'ai l'habitude de prendre une douche. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un duo dans le trio. Très propre, hein. Ça a bloqué. Ça bloque. Les gars, tranquille. Ok, allez, c'est bon. Excellent. Excellent. Deux enfants. Ah, grave. Merci beaucoup. Bah, c'est du charbonnage, les gars. Mais non, c'est un péganal. On est d'accord que quand tu vois le truc de base, tu te poses des questions. C'est quoi? C'est un Worms. Comme à chaque Zilane, le moment le plus intéressant, c'est le moment où on installe les setups. C'est faux. Pour vous montrer un petit peu avec qui on est, voilà ça. On est pas de ce côté-là, on est de ce côté-là. Derrière moi, il y a la team B2B qui font les cons, comme d'habitude. Ah, c'est un joueur? C'est moi, oui. Ah, je pensais que c'était l'équipe B2B. Mais tout le monde pense que c'est ça. Hein. On est maintenant installé, tous nos setups sont prêts. On vient de discuter un petit peu avec le monde, avec Zera, Nainana, c'était grave cool. On se retrouve demain pour s'installer. Il faut s'en aller, c'est fermé. Ok, c'est bon, j'y vais. Voilà. Je vais me faire engueuler.
Bon les petits potes, on est en train de rentrer actuellement direction l'Airbnb. L'installation s'est plutôt bien passée, de manière un peu plus rapide parce que j'ai passé ma vie à discuter avec les autres participants. Fatou a un petit avis. Tiens, je te laisse la caméra, raconte ta vie. Vas-y, ouais, vas-y. Du coup, première deadline pour moi. Un peu pareil que Game Pass. Il y a beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de gens à qui aller parler. Donc c'est grave cool. Le problème, c'est qu'il faut aussi s'installer. Il faut aussi se concentrer parce que la deadline c'est demain. Et on attaque fort. On a eu des rumeurs avec les poules, on sait pas trop quoi en penser. Pour l'instant, on a un peu peur, mais je pense que ça va le faire. Il va falloir de toute manière tout déterminer, enfin être déterminé et tout affronter. Parce que si on veut aller au bout, c'est ce qu'il faut. Honnêtement, je pense que le mental de l'équipe est plutôt bien. On a eu quelques problèmes de PC, mais au final, on a réussi à s'installer, donc c'est plus important. Maintenant, déterminé pour demain, et il va surtout falloir bien dormir. Et c'est pas encore fini, Seigneur. Mon avis, c'est que Fares, il parle plus qu'il installe son setup. Il est vrai qu'on est arrivé peut-être à la LAN à 20h et qu'il a commencé à installer son setup à 23h30. Lui, il est Uber, ça se voit, il est Uber. Ouf. Il fait un coucou à la caméra. Ouais. Ça va? Vous aussi, vous avez pété? Ouais, grave. Il m'en faut trop peu pour rire, vraiment, je suis désolé. Le Uber. Il fait un petit klaxon. Bon. Bisous. La première année, j'avais fait une bible du trou. La deuxième, j'ai passé mes partiels. La troisième, je vais en costard. Je te rappelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce premier jour de Zilan. On est actuellement le vendredi 8 avril. On est sur le point de partir directement direction la LAN. Il est 10h pile, on va y aller. On va essayer de vous prendre avec vous. Je vais essayer de filmer un maximum de choses. L'année dernière, j'avais Bunket. C'était pratique au Game Pass. Il filmait lui-même et tout. Là, c'est moi qui dois tout filmer. Du coup, je vais essayer de filmer beaucoup. Bon, allez, rendez-vous directement à la LAN. On est arrivé, mesdames et messieurs. On est à la Zilan actuellement. Regardez-moi comment la salle est belle en vrai. Ça, c'est vrai que vous ne le voyez pas tout le temps. Mais nous, la salle est grave belle. On se balade un petit peu. On a deux teams, tu vois. Genre, par exemple, la team de Little Big Whale, Gomar. Et j'oublie la dernière personne. Ça va m'insulter dans les commentaires. On avait évidemment la team Mercatohead avec MRD qui a fait bien évidemment très plaisir à voir. Alors, les poules qui sont dans le channel, il a dit quoi, petit? Comment ça, bonne chance? J'ai pas vu ma poule encore. Oh, frérot, bonne chance. Slide it to DM, Mercatohead, Marwalenko. Ça va le faire. Non, en vrai, ça va. Regardez, Non, mais y'a que Gotaga. Marc Gomard. Reste. Mais non, vous passez. Vraiment, du coup, on est considéré comme ces trois. On est passé deux. Trois, oui. Mais vous passez. Ouais. Ok. C'est pas. En vrai, s'il y a un jour qu'on passe pas. Si, largement. Non, petite ça. Non. Je suis désolé, mais. T'es bien habillé, mais on va faire ça dessus quoi. Oui, écoute, directement en poule 1, ça va être pas. On va kiffer. On va faire des petits câlins, c'est pour le gars. On est ensemble, gars. Nico, ça va être fou, mec. En vrai, à la fois, je suis content et à la fois pas trop. Moi aussi. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'on va pas se rencontrer. En face de. Mais en vrai, mais théoriquement, on peut se rencontrer en aucun. On se fait un câlin dans ce pour le gars. Même un bichard avec nous aussi. Oui, je suis avec vous. Richard, pas de casse. En vrai, la question c'est, vous savez à quel. Enfin, vous savez que vous avez passé, mais à quel site? Ouais, c'est ça. Alors, imagine, tu fais un canard attaque, genre. Tu veux que je fasse un canard attaque? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Bichard, on se retrouve pour un nouveau stream. Est-ce que vous pouvez vous démuter sur Discord, les gars? On est là aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour une nouvelle Zilan 2022. Sachez que c'est pour moi l'une des Zilan où j'ai le plus tryhard. Ma connerie de cette année, comme à chaque année, c'est... Cette année, je viens en costard, Friends je suis costumé. Alors les alertes par contre qui apparaissent sur ma gueule, tu vas pécho, c'est l'objectif. Il y a des tristes, il y a des jolies femmes, que ce soit dans la salle ou même sur le live. Le but, c'est bien évidemment sortir sur son 31 pour remporter un autre type de trophée, tu vois. Il faut la ramener à la maison, c'est l'objectif. Alors comment ça se passe les gars pour vous? Je suis dessus, frère. Ouais, c'est vrai. Douce. Tu veux que je nettoie? Non, hein. C'est sûr? C'est mon territoire. Déjà, je remercie tout le monde qui sont présents aujourd'hui. J'avais un peu peur parce que c'est la première Zilan que je fais sans guide. Je me dis peut-être que ça changera en termes de statistiques ou en termes de soutien. Au contraire, j'ai envie de dire une grosse rivalité qui s'est installée. Des viewers qui sont pour moi, des viewers qui sont pour guide, alors qu'au final, on est toujours potes. Peut-être. Nous, on a tout bêtement la poule la plus difficile pour le moment de tout le tournoi. Too Go Hard, Seed 3,
avec Slide into DM, donc la team de Gotaga, et Mercatohead, Nico, Statue du Tac. Derrière nous, Little Big Whale, Gomar, Coco, les unités d'élite Moment, Berlu, Rivenzi, Zuka qui est extrêmement fort, les gars qui ont extrêmement traîné, Rasmeltor, bien évidemment. Il est temps de vous dire honnêtement que notre poule est la pire du tournoi. On ne pourra jamais faire une poule tranquille. C'est les deux ou trois premières teams de poule qui passent. Non, c'est les six premières. Donc honnêtement, il y a des chances de passer. L'objectif est d'être dans le top 3. Voire 2. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas dans le top 2 ou dans le top 3, on peut dire adieu à la phase 2. Au niveau, mesdames et messieurs, de ce qu'on va faire ce soir. On est actuellement le vendredi 8 avril, bien évidemment. On rentre dans le lobby maintenant ? Oui, oui. Je subis la pression. Je la lobby. Je... Attendez, faut que je respire. Je fais crise d'asthme. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ok, ok. Pas arrêtez, temps. Arrêtez, j'ai la pression, arrêtez. Elle dit, j'ai pas le temps de faire une crise d'asthme. On se retrouve pour la phase 1. Elle se déroule avec 19 équipes. Parmi ces 19 équipes, seulement 6 seront qualifiées pour la phase 2. On avait l'une des poules les plus difficiles, soit la plus dure. Elle a été appelée la poule de la mort, et c'est pas pour rien. Pour Fall Guys, le système de scoring est un peu différent. En fait, chaque étape qu'on va passer dans le jeu, chaque épreuve où on va se qualifier, nous rapporte un point. Si on gagne la grande finale, ça nous rapporte 5 points. Donc on débute cette Z-Lan avec un jeu sur lequel on n'est pas du tout confiant. Et je pense que malgré tout, Fall Guys est l'un des jeux qu'on a le plus sous-estimé. Le code, bien évidemment, il faut le dire en vocal. Est-ce qu'il y a des viewers qui veulent join? Est-ce que vous aussi, vous avez Zizi qui est plus là? Oh putain, c'est la map show. Là, on n'a pas le choix, faut passer la phase 1. On sait jouer. On sait jouer. Je peux une deuxième ligne, c'est pas si dégueu. Ne pas glisser, ne pas glisser, ne pas glisser. Ok, c'est bon. On n'a pas glissé. GG les gars, on est les boss, GG à tous. On est tous les trois qualifiés les gars. Là c'est un round facile. Ok c'est bon. 3 poires, 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 poires. Let's go. Nice. Ok, on enchaîne. Oh là là, allez, on continue, lâche rien. Celui-là c'est pas ma meilleure. Mais bon. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans, je suis désolé. Pas dedans, pas dedans. Désolé. C'est passé ? Ok, Fatou est passé. J'ai pas eu de chance moi au début avec les boules. Alors on va se mettre sur la pose de Fatou. Let's go ! Let's go ! Les zéros pour le moment très très bien. Il a même plus de point. Il passe au milieu. C'est incroyable. C'est tout droit pour lui, il est devant. Il va le faire. Il passe au mid. Excellent. Incroyable ! Incroyable ! Mais pêche-moi ! On se mette à 3-6. Continue. Là, il a vu. Il a vu. Il sait où il est. Oui, monte à l'étage, monte à l'étage. Là, tu... Non, je pense les gars. Là, c'est mort. Dommage, ça. Normalement, c'est la finale, c'est-à-dire qu'on perd rien. On perd qu'un point. On va enchaîner, mesdames et messieurs, avec le deuxième game. Hein. Non, mais vous avez vu mon spawn, les gars. Quoi? Mais quoi? Je vais me faire avoir, je vais me faire baiser, les gars. Je vais me faire baiser, c'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Oh là là, je suis en cul d'un poney. Let's go. On est passé tous les trois les gars, on est encore repassé tous les droits, c'est incroyable. Moi je suis trop nul à ça. En plus je spawn dernier. Ma faute, c'est ma faute, j'ai été vraiment nul. Vraiment nul. On a fait la même chose. Drago est sorti aussi. Il commence plutôt bien. Hein. Mais à tout moment, il peut se faire baiser par le fait que les gens montent. Ah non, là, ça va être compliqué. Je pense vraiment que là, c'est dommage. Et là, je pense qu'ils sont 15 devant. Oh non, c'est une blague. Oh ! Oh, c'est dur, putain, c'est dur ! Là, il y a Nico, il y a un moment. La slide. Là, pour le moment, on est pas dans les premiers. Après, on le savait, c'est un jeu où on n'est pas spécialement fort, mais quand même. C'est pas grave, on relance maintenant, les gars. On passe le plus de rounds possible à 3. Faut spawn debout, ça. Faut spawn au début, ça. Faut spawn vraiment au début. Ok, ça va. C'est pas dégueu. Non, 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 non. Non, mais deux fois d'affilée. Non, mais non, mais non, mais... Ah, c'est bon, on est baisé, là. Là, on est baisé. Là, on est baisé. Putain de sa mère.
Excusez-moi les gars. Je suis vraiment désolé. Hein. Bon, pour ce qui est de Fall Guys, on fait pas du tout un beau top. On est même pas dans les 6e, on le sait. Je fais à titre personnel pas beaucoup de points, même si Fatou et Drago se sont plutôt bien débrouillés. Pour ma part, c'était vraiment pas l'un de mes bons jeux. Mais on va dire que je passe rapidement à l'épreuve suivante parce que c'était que le premier jeu. Et le deuxième, je me sentais plutôt confiant. Il s'agissait d'Elden Ring. Pour Elden Ring, il fallait faire un speedrun, tuer les 4 boss. Le but est de tuer ces 4 boss le plus rapidement possible. Le speedrun se passe sur le même PC, c'est un relais. Chaque joueur va jouer 5 minutes en temps IRL. Au bout de 5 minutes, une sonne cloche. Une cloche sonne, plutôt. Et indique qu'un autre joueur doit prendre la manette. Pour notre run, on avait une run plutôt classique, comme Nagato nous l'avait montré pour les speedruns. Merci beaucoup à lui. D'ailleurs, il a fait une vidéo world record de ce speedrun, si vous voulez aller la voir, pour voir comment une bonne run se passe. Attendez, je vois où vous voulez en venir. Non, nous aussi, on a fait une bonne run. Enfin, je vous laisse regarder. On enchaîne, oui, on enchaîne. Les 19 points. Let's go les gars, let's go, bon appétit. Vous êtes à peu près où dans la salle? Alors attends. En fait, là c'est le fond de la salle. Là c'est en face de nous, là où il y a la team de guild. Tout au bout, et on est tout en bas. 45 minutes de timer les gars. On a 45 minutes pour finir la run. Tu penses que lors d'un rapport anal, c'est possible de toucher du caca? Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Vraiment tout le monde? Ouais. Vous avez lancé le jeu ? Ouais ! Ok, alors pour le lancement de la run Zilan, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, bonne chance à tous ! Il y a déjà un mec qui a hurlé, le mec qui a pas compris le jeu, c'est... Moi je suis en plein, contrôle de stress. Tu veux que ça fasse un attaque ? Oui, maintenant c'est moi. Je me mets trop la pression ce jeu. T'es le meilleur, hein. Par contre t'es le meilleur de nous trois. Vraiment? Ah, c'est pour ça que j'ai la pression. Bah, non, t'as pas à avoir la pression. On a juste 4 petits boss à tuer. Non, c'est pas moi qui joue en premier, c'est Bichard. C'est juste qu'il se met sur le côté parce qu'il a rien à faire à parcourir. Alors, comme ça je suis déjà en place pour le prochain boss en fait. Tu vas devoir avancer. Vas-y. Bon, ok. C'est bon, on a switché. On sort pas plus sur la nature. Non. On touche à rien. Tu la passes par rap, regarde, parfois reviens. Ok, c'est bon. Nice. T'es le boss mon drac, t'es le meilleur de cette putain de planète mec, t'es le boss. C'est pas très rapide hein. C'est pas grave, on s'en fout, tu l'as first try. Tu l'as first try, c'est le principal mec, vraiment je te jure que c'est le principal. Ouais, reste combien de temps? 15 secondes. 15 secondes. T'as été monstrueux Drago. Excellent. Gêne ton endurance. Ouais. Excellent. Il reste 20 secondes. Prépare le switch, Drago. 10 secondes. 5, 4, 3, casque. J'ai pas vu que j'avais pas de vie. T'as même le temps de faire le dragon, mec. T'as carrément le temps. Laisse pas tomber ta figuration. Ma tête. Tu vas sauter dessus. Let's go! Tout peut jouer sur Zutom maintenant, les gars. Tout peut jouer sur Zutom maintenant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est ma faute aussi, hein. Franchement, si je tuais Godric tout de suite, c'était finito, tu vois. On finit la run d'Elden Ring en 27 minutes in-game, ce qui est honnêtement pas dégueu. Avant d'arriver à la LAN, on s'était dit que tout simplement, si on arrive à finir la run, dans un temps en dessous de 30 minutes, on était parmi les 10 meilleurs duos de la LAN. Et on savait qu'il y avait plein d'équipes qui ne s'étaient pas entraînées au niveau de la LAN sur ce jeu. Du coup, on se disait que, tout simplement, finir le jeu allait nous apporter un bon top.
Pour Elden Ring, on va finir 6ème. C'est pas du tout une bonne performance. On est à peine dans le classement nécessaire pour pouvoir se qualifier en phase 1. On n'est même pas à la moitié de la phase 1 et clairement, on n'est pas dedans. La prochaine épreuve sur laquelle on va s'affronter est Zutom. Comme pour Motus, le but est de trouver un mot, faire des essais, avec les bons mots, bonnes lettres. Le logiciel nous dit si les lettres sont à la bonne place ou si elles sont dans le mot mais pas à la bonne place. Le but est de trouver le mot en moins d'essais possible. Clairement, cette épreuve, je les dodge. Je voulais pas en entendre parler, c'était que en phase 1. Je suis trop nul en français, j'ai pas les mots qui me viennent en tête. Bref, j'étais pas du tout confiant. Je m'étais quand même un petit peu entraîné auparavant sur le site de Zutom. J'ai fait des séries, j'ai trouvé des mots, bateau, avion, une épreuve faite par Zerator. Je ne pensais pas que les mots seraient aussi difficiles à trouver. Est-ce que je vous ai déjà fait un biche en bouche spécial Zilan? Certainement jamais, hein. Est-ce que vous connaissez le biche en bouche? Le biche en bouche, c'est... Alors, pendant le ramadan, on mange. Voilà, c'est tout. Bon, cette boîte est très, très collante, hein, vraiment. Enfin, j'allais me laver les mains après. C'est Samy qui m'a acheté ça, hein. Wesh! Goûte, ce diabète. Tu veux des gâteaux arabes? Si t'as une corne de gazelle, je prends. Oh, gazelle. Oh, ça, c'est la même chose, hein. La même chose dedans. La même chose? C'est la même chose dedans, vraiment. Allez, vas-y, fais toi plaisir. Attends, comment je... Je comprends rien, frère, je comprends rien. Ah non, vous allez voir son écran, là. Oh merde. Ok, bah vous allez regarder des planètes, c'est bien. Vous avez vu les belles planètes? Je leur parle comme si c'était des maternelles. Alors les planètes, il pue son micro, hein. Fais quoi avec son micro? Je remercie énormément Kamel et Bifresh parce que ils m'ont servi, les gars, un tagine de roi, je rigole zéro. Ils m'ont appelé, en fait, ils ont pris un tagine et en fait, ils m'ont invité à manger avec eux. Et du coup, j'étais... Franchement, j'ai limite trop mangé. On va aller, mesdames et messieurs, sur le Zutom. On se concentre, on respire. Si on bloque plus de 3 minutes, on passe. Je vais juste appeler ma maman pour dire que je l'aime. Allô? Ouais, juste pour te dire, avant le Zutom, qui est une épreuve très compliquée, que je t'appréciais également énormément. Tu m'apprécies? Ah mais très fort, en vrai c'est plus de l'appréciation, c'est autre chose, hein. D'accord, je suis tout cœur avec toi, je suis devant la télé, je te regarde, n'oublie pas que je te regarde. Ça fait peur. C'est pas encourageant, n'oublie pas que je te regarde. N'oublie pas que je n'oublie te pas, regarde. Je te vois. Est-ce que tu penses que Drago est un bon streamer? Ah mais il est terrible. Ah. Non mais ma mère quand elle dit il est terrible, c'est que t'es fou, t'es trop bien. Il a dit tu peux venir le follow si tu veux. En tout cas, je te fais un gros bisou, maman. Moi aussi. Voilà, et que du positif, que du plus, ok? Genre, je pense qu'en combat de bagarre... Mesdames et messieurs, nous allons lancer. Bisous, maman. Là, ce qui mettrait bien, c'est mettre un quel. Non, bah non, du coup, il faut que j'avance, donc je vais abandonner. Ma faute. Kidam, ok. Je pouvais pas l'avoir. Pas ça. Je l'aurais pas. Hein. Ni maçon. Faut que j'avance, les gars. Hein. Je peux pas. Hein. Je peux vraiment pas. Hein. Lithium, allez, baisse. Ok, c'est bon. Ciao. Je l'ai pas. Eureka. Putain, mais Eureka. Bon, allez. Eh, vous avez vu, on a fait une performance médiocre. Pourtant, on est mi-tableau. Hein. Donc, honnêtement, ça va. Hein. C'est purement. On va relancer, donc j'arrête ou pas? Ok, donc j'arrête. Faut pas chier. 3! 2! 1! Ouais! Ok. Je sais pas les mains! Je peux pas! Bon, faut que j'avance. Hein. Laisse tomber. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas que ce mot existait. Ok, je peux pas me faire celui-là. Je vais prendre mon temps. Je peux pas, les gars. Je peux vraiment pas. Je suis désolé. Discute. Oh, putain. Ok. Je panique. J'arrive plus. Ah bon, je l'ai pas. Écueil. Putain, en vrai, j'aurais pu l'avoir. 65. Je suis vraiment dans les derniers. Je suis dans les derniers. Il y a 77 teams. Hein. Donc c'est les teams, hein, 100 teams. Hein. 77 centimes, ouais. Je suis grave deg. Hein. On y croit. Oui, tu vois. C'est juste que... C'est pas dans la dernière game que ça va changer, tu vois. Allez, on enchaîne. 3 secondes, mec. Bon. Vopal. Vocal. Vojal. Vocal. Volal. Je sais pas le mot. Vocal. Putain, mais je suis une merde. Vraiment. Vermoulé. Vermoule.
j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Vermoulu. Un autre U. Oui, ok. Bivo. Bédo. Putain, non, je fais de la merde. Non. Bateau. Je suis trop con. Un corbeau. Oh, c'était couleur. 59. Putain, c'est rien. Non, on n'a pas été bon. Bon, Zutam est un véritable carnage. On s'est complètement foiré. Que ce soit Fatou, Drago ou moi, aucun n'a réussi à faire vraiment un bon top. À chaque fois, on a trouvé qu'un seul mot en 2, 3 essais grand max. Bref, c'était clairement pas assez. On arrive sur le 4e jeu de cette phase 1 et mentalement, ça va pas du tout. En fait, comme les 3 premiers jeux étaient très difficiles à administrer, c'était difficile pour les organisateurs de récupérer tous les points, tous les temps, en heures, et du coup de nous donner un classement au fur et à mesure des jeux. C'est pourquoi, après Zutom, on a commencé à voir la tête du classement de la phase 1 pour la toute première fois. On allait enfin savoir, sur les 3 premiers jeux, quelle place moyenne on avait fait. Et quand on a su ça, c'était terrible. 10e, c'est clairement en dessous de ce qu'on attendait. On visait la 3e, voire même la 2e place de cette poule 1. 10e. Je sais pas si vous vous rendez compte. 10e. Et mentalement, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Je repense un peu à tout ce que j'ai fait, le temps que j'ai passé à train cette LAN. La ZLAN, pour un streamer qui veut s'y mettre vraiment à fond, c'est un mois de concession, un mois de sacrifice. Pendant un mois, bah, y a plus de game sub, plus de Minecraft. Et tu te tues sur des jeux que forcément, les viewers n'aiment pas forcément. Ce mois, c'est un mois de kiff aussi, parce que tu changes un petit peu, t'as du contenu à partager, c'est faut pas le dire aussi. Hein. Et même l'expérience en soi, aller à la ZLAN, c'est une expérience de fou. Pendant 4 jours, tu kiffes, tu vois des gens, tu passes vraiment de très bons moments. Mais en termes de performance, ça me plaisait pas. S'arrêter en phase 1, c'était pas possible pour moi. Je suis un peu deg en vrai. T'es confiant ou pas? Beaucoup moins là. Je suis là, je suis content d'être là. Hein. Mais j'ai même pas l'impression de kiffer un max, tu vois, parce que je... À aucun moment on est devant, à aucun moment ça se passe bien, à aucun... J'ai l'impression que j'ai pas le droit au bonheur. Comment pas? Pour moi on est top 9-10. 9-10? Ouais. Et Apex, y'a qui fait peur sur Apex dans la poule? Y'a que Gotha, y'a que la team de Gotha avec Mikalo et tout. Y'a personne d'autre frère. Vous êtes monstrueux, vous allez tous les enculer, vous allez me sortir Gotaga cette poule frère. La vie, en face d'eux y'a pas Gotaga. C'est clair? Oui. Vas-y, y'a plus. Je l'ai énervé hein. C'était Fgidom. Classement dans une minute. Attendez, attendez, il y a les classements, il y a les classements. On est 10e les gars. On est 10e. On m'a fait 14e sur Zutom. Non, on passe pas pour on fait chaud. Du coup, on enchaîne le 4e jeu sur Riders Republic avec un sentiment de stress. Du gros stress. D'autant plus que Riders Republic est un jeu particulier. 60 joueurs qui sont sur la même course avec les collisions activées. Il y a plein d'obstacles sur le chemin. Et si on se les prend, on perd un temps considérable. Il va y avoir 3 mass races. Et à la fin de ces 3 mass races, on aura un classement final. Allez les gars, let's go! C'est parti pour un truc de fou! Il n'y a aucun jeu où on perd pas, genre c'est abusé. On a aucun. Putain, on a traîné 50 fois plus que la moitié des équipes. Allez les gars. Allez, vas-y, tu vois plus. J'ai les gars, top 5, top 10, top 11, on a fait un bon truc, au moins une. Je fais un point les gars où je demande la top 6, hein. Vraiment. Hein. Voilà, on a fini, bonne journée à tous, rendez-vous sur Apex. Oui, top 16, mais c'est pas assez, on est 60, top 16 c'est quoi? C'est top 1 quart, je m'estime pas en tant qu'un quart, je suis désolé, vraiment je suis dépité. Ça fait une semaine que je suis pas allé en cours, putain, et j'essaie de rattraper mes cours comme un enculé, et je sais rien. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, hein. Je vous jure je suis pas quelqu'un de pessimiste, hein. mais ça me détruit, vraiment ça me détruit. J'ai plus envie, hein, honnêtement.
Avec Riders Republic, on passe 7ème de notre pool 1. On est à une place, les gars. Une seule place de pouvoir se qualifier. À ce moment-là, je ne visais même plus un seed. Je ne visais même plus être top 3, top 2, top 4. Je visais juste à se qualifier. C'est pour vous dire à quel point mentalement ça devait commencer à être difficile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que j'avais certaines limites au niveau du stress, au niveau de la pression. Passer la phase 1, pour moi, c'était une formalité. C'était même pas difficile. Et c'était la première fois que le destin m'avait regardé dans les yeux et m'a dit « Écoute mec, c'est pas si difficile que ça. » Et quand je m'en suis rendu compte, ça commençait à devenir trop pour moi. Ça se voit sur le stream, ça se voit sur les images que vous voyez. Je suis clairement en train de tirer la gueule. Je repense un petit peu à tout ce mois de trading, comme je vous l'ai dit précédemment. À toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages avant la LAN, pendant la LAN. À toutes celles qui étaient en train de regarder le stream, que ce soit ma mère, mes potes, ou même vous. Et j'avais, je pense, besoin de ce moment où je mettais tout en off, en pause. Et je suis sorti prendre l'air. Je coupe la cam, je laisse mon PC, et pendant plus de 15 minutes, je sors, je prends l'air, et pour être tout à fait honnête avec vous, je chiale à mon cou, mais en toute transparence, et je me souviens que j'ai même croisé un abonné devant la salle, qui m'a regardé, qui m'a dit « Écoute mec, je sais pas pourquoi, parce que je regarde pas le stream, mais peu importe ce que tu fais, sache que moi tu me fais rire, et rien que ça, c'est le plus important. » Cet abonné, je le connaissais pas, et en fait, ça, sur le moment, genre, je me suis dit « Mais t'es en train de paniquer, t'es en train de stresser, alors qu'en vrai, tranquille. » Ça va le faire. On allait commencer sur Apex, un jeu où on était confiant, un peu plus que sur tous les autres. Et je me suis dit que si même un abonné pouvait croire en moi, quelqu'un qui avait même pas regardé le stream, qui ça se trouve me connaissait même pas, il me disait ça peut-être pour me faire plaisir. Je me devais de revenir devant mon PC le plus rapidement possible, juste sourire et avancer, parce que merde, j'étais à la Zilan quoi. Ça va les gars, dépressif votre streamer là. En vrai, la Bustard est ouf, parce que là c'est pas fini. Parce qu'on a ni. Là ouais, on est dans la merde en vrai, mais c'est serré quand même, pas du tout fini. Hein. Apex c'est notre meilleur jeu hein. Le chat de Bichard, en gros, j'ai pas vu en fait. J'ai pas vu que Bichard était mal et qu'il pleurait. J'ai pas du tout vu. En gros, si vous voulez, je pense que Bichard, là, ce qui va pas, c'est que. Enfin, je pense, hein. C'est que, en gros, d'habitude, il est habitué à être le meilleur de l'équipe et à porter l'équipe vers le haut. Et là, vu que nous, on est des malades mentaux, bah, c'est moins le cas. Et du coup, bah, il se sent mal, tu vois. C'est normal, tu vois. Quand on connaît Fares, c'est normal, tu vois. On va le faire. Il nous reste Apex. Il faut prier pour que le classement Riders ait suffi. Bichard, il a tout donné pendant un mois. Il a niqué son stream, entre guillemets. Il a perdu 300 subs pour faire cette Zedlan. En vrai, ce qui me fout le somme, c'est que j'ai pas l'impression de sous-perf en fait. Ouais, c'est la poule, elle est infâme. Et voilà, il a un petit mental breakdown parce qu'en plus il fait le ramadan donc c'est pas facile. On va qu'on se foire. J'ai peur, hein. J'ai honnêtement peur, hein. Mais moi je lâcherai pas. Je ne lâcherai point. Tu donnes tout, mec, hein. De ta gueule, rien à foutre, mec. C'est ton pseudo, hein. D'accord. Ça fait plaisir. Merci. Bah, mais c'est parce que sur mon chat ils m'ont prévenu que. Ah, bon, ça va, ça va. Donc t'inquiète. Ça va aller. Ma mère, elle m'a dit, même triste, tu fais le charo. Si je peux te dire, elle a 32 ans et 3 enfants. Je sais juste te le dire. Il y a le classement. Où ? Regardez avec Riders Republic ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez l'équipe de moment. Les unités d'élite du LSPD et l'équipe de Les gars, je vous jure qu'on le fait. Les gars, c'est trop beau. Pour l'histoire, c'est trop beau. On le fait. Il y a rien d'autre. Et on passe en poule 2 et après on passe en quart. On le fait. Aucune déconcentration, quoi que ce soit. Hein. T'as vu ce que vous me faites faire? Allez, allez. J'ai trop de pression, je vais chialer. C'est parti. Allez. Ah, pardon, excusez-moi. Allez, regarde derrière et on colle pas inutilement. Ouais, c'est, là, y'a personne, y'a plus personne. Hein. On a tout le fond. Hein. Voilà, bah, c'est un spawn de merde, mais on y va quand même. Y'a une team en bas, ça conteste en bas. Ça conteste là, ça va nous contester ici, je pense. Hein. Sur moi. Okay, casse-toi, tu peux te casser ou pas? Je me casse, je monte en haut. Sur moi, à l'étage. On fight ou pas? On se barre? Non. Ok. Ah, en passe, il vient de décoller, vous avez vu. Il est tout seul, hein. Il est tout seul, hein. Il me drop dessus, hein. Ouais, qu'un mec, down. Dedans. Il est fini. Il est one. Bien joué. Ok, fusil à charge, on recule. Ça décolle ici. Faites attention, collez-vous. Ok, plus de déplacement inutile, on écoute. Chacun couvre, pas tout l'escalier, Bichard le haut. Tu couvres là-bas. Ça arrive, là. Je vais les scanner, ne t'inquiète pas, bougez pas. En dessous, un seul en dessous, c'est une waste. Il est tout seul. Break. Non. Guettez pas. C'est notre team pour entendu, repositionnez-vous vite. Je vous le dis quand on bouge. Bon du coup j'ai scan, il y a une team, petite maison là, en bas. On les scanne. Ah bah voilà, ils viennent de nous scanner, ils sont deux d'ailleurs. Là ça va partir très vite hein, parce que regardez, là en fait la zone, il y a la moitié qui est dans le vide. Ils rentrent, ils sont là, te montre pas. Ils sont okay. ils sont en bas. Pas tout, on va faire la technique. Ulté, dès que vous portez, d'accord? Ulté. Vas-y. Oh bordel.
J'ai... Sors, Fatou, sors de la zone. Sors de la zone. Okay. On s'est fait tuer par tout le monde. Il y avait trop de monde. C'est Rivenzi qui nous a tués. Hein. Il faut qu'on fasse mieux encore, les gars. Allez. 13, 14. On a drop avec beaucoup de teams, je pense. Il y a une équipe qui nous suit. Non, il nous suit. Si, au-dessus de nous, il y a une équipe au-dessus de nous. Là, à droite. Là, il y a personne ici. Regardez les gars, il y a trop d'infos en même temps là. Il y a personne autour de nous, on est sûr? Ouais, et on peut aller là, mais il y a une équipe de l'autre côté. Il y a un mec là-haut. Il faut qu'on avance, hein. Ça va nous push dessus. On peut essayer là. Il y a des mecs! Très close! On reste là, on est bien. J'ai un gros viseur en vrai, donc je peux regarder en face. Un gros cerveau. Ouais, ils sont vraiment dans le conteneur aussi. Il y a une équipe en bas qui est là. Ok, bouclier, on se casse! Tiens. Attends. Allez. Vas-y, ult. Ult. Allez, on démarre. Faut aller vers le haut. Là-bas. Hit. Chiffre de blanc, chiffre de blanc. Les trois en chiffre de blanc. Tu peux leur ult dessus si besoin. Eux, je suis violé. Ouais, tu peux leur ult. En vrai, tu peux déjà ult là. Ah, ils ont décollé. Ah bah, trop tard, j'ai ult. Ça drop pas loin devant nous, on est même peur. On a vraiment une. Sur nous. Sur eux, non, il est tout seul là. Ici. Mort. Bissa, mort. Deux HP, ils ont deux HP. Deux, il reste un mec, la Valkyrie. Ils ont deux HP, vraiment c'est. Un HP. Mort. Body swap. Reste pas tout. C'est moi. Reste pas tout. Ok, parfait. Il nous rush, barrez-vous. Si vous pouvez. Je peux pas, barre-toi, casse-toi. Top 4. Maintenant faut juste croiser les doigts. Les gars, bravo. C'est pas des perfs dégueulasses, hein, vraiment. Poppy à la 13ème. 15ème, Little Big Whale. 15ème, 13ème. Ça le fait peut-être. Hein. Maintenant, on doit attendre les résultats. Maintenant, faut juste prier, les gars. On prie. Alors là, c'est clairement la pression. On a fait de très bons tops sur Apex. On fait deux fois top 4, ce qui est vraiment excellent. Le système de classement sur Apex, c'est que plus on est haut dans le classement, plus on a de points. Et chaque kill rapporte un point. Le stress dans tout ça, c'est qu'une équipe qui est 5ème, 6ème, si elle a fait plus de kills que nous, va forcément se retrouver de goût devant nous. Et ma plus grande peur, c'est de ne pas passer la phase 1 sur un kill ou sur une place. Je pense que c'était l'une des fois où j'étais le plus stressé de toutes les expériences que j'ai pu vivre dans mon métier qui est le streaming. Par contre les gars, je vous le dis, si le classement tombe et qu'on est dans les 6 premiers, je crie. Moi je hurle, moi j'explose. Peur, putain. Allez, on y croit les gars, on prie les gars. Vous avez une émo de fait pour ça. 5 minutes il a dit, ok 5 minutes. Je prie pour que tout le temps qu'on a mis dedans ne serve pas à rien, vraiment. Pendant cette 4ème là, LAN, c'est la première fois que je craque mentalement. Je n'ai jamais craqué mentalement, même sur rien, genre. Mesdames et messieurs, j'ai le classement des 4 poules de... Allez, venez les gars. Là. Venez. Zilan. Mesdames et messieurs, je vais commencer par la poule 1. La première équipe qualifiée seed 1 de la poule 1 est Slide into DM. On va passer à la deuxième équipe, seed 2 de la poule 1, Mercatoed. On va passer au seed 3. Et c'est une petite surprise pour la poule 1, je ne vous le cache pas, les unités d'élite du LSPD. Seed 4 de la poule 1, mesdames et messieurs, l'équipe To Go Hard. Seed 4. La joie, bien sûr, l'émotion. Oh, merci à tous. De la poule 2. Et enfin, il nous reste 3 équipes. 3 équipes qualifiées dans cette poule 4. Hello, Gil. Et le site 4, c'est la Team JPEG. Oh. On a fait... Team JPEG qui a des supporters. C'est la plus difficile, Zilan, à laquelle j'ai participé, vraiment, et de loin. Celui-ci, j'ai envie de chialer, viens là. J'ai envie de caler. Oh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous avez bien joué la printemps. Oui. C'est grâce au scrim, Luty, c'est parce qu'on est venu, tu nous as cassé, tu m'as donné un conseil, tu m'as dit vise. C'est grâce à ça, mec, j'ai visé. C'est bon, Luty. Allô. Alors. Incroyable. Hein? Incroyable. Je... Terrible. Je... Je comprends pas. Bref.
Oui. Je t'aime fort. Et tu dis à papa, je l'aime fort aussi. Oui, nous aussi. À demain, 14h, on sera là. À demain. Bisous. Bisous. Non, vraiment, c'était l'Alan la plus difficile à laquelle j'ai participé de loin. Vraiment, la phase 1 est insanement dure. Maintenant, on va avoir une phase 2 qui va être imbuvable, en toute honnêteté. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas essayer de se qualifier. Ok ? Mais écoutez, les gars, moi, j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire. Ok ? Parce que tout est possible. Je suis trop content. Vraiment. Oh, je t'ai filmé. C'est vrai ? Oui. Non, j'ai pas vu. Je t'ai filmé ta réaction. Oh, donc, Gazinette ! Tu l'as fait ! Oh, je suis trop content, ouais. Vraiment. C'était si dur, c'était si dur. Mais non, tu l'as fait. Si, vraiment, mentalement, c'est trop. Bicharo, non mais vous savez, en une heure, il y a plus de femmes qui sont passées sur mon stream qu'en un an. Détendez-vous. Bon, en tout cas, j'ai encore quelque chose de très important à vous dire. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents pour ce stream. On va cut, on va aller profiter de ça, on va aller dodo. Je vous remercie énormément d'avoir été tous et toutes présents de manière très très présente sur la présentation présente. Bon, gros bisous à vous. C'était Bichard. Restez comme vous êtes. Je suis plus puceau. Calif. Ça fait 4 lames, je passe par les deux. Ça fait 4 lames. Mais dans ma tête, vraiment, oui. Dans ma tête, oui. Je suis déjà trop loin. On a réussi à être qualifié. On passe la phase 1 et en plus en tant que quatrième. Honnêtement, c'est pas un bon seed. En fait, pour vous expliquer, le premier, le deuxième et le troisième n'ont pas de chance de se retrouver. Alors qu'en tant que quatrième, on a une chance de trouver les trois premiers de chaque poule, en fait. C'est un peu... Du coup, on s'endort, on part de cette première journée, on rentre chez nous, avec ce petit stress qui nous dit qu'on est qualifié, on est soulagé. Mais malgré tout, la journée du lendemain va être encore plus difficile. Les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le jour 2, on est actuellement le samedi 9 avril et on se dirige actuellement vers la Zilane pour la phase 2. On est content, on est passé en phase 2, bien que en vrai, c'est normal qu'on passe en phase 2 vu le niveau de notre équipe. Je suis un peu déçu de la perf, on aurait dû faire top 3 de notre pool, on fait top 4. L'équipe qui nous pique notre 3ème place, c'est l'équipe de Moment qui a gagné multiples LAN, multiples compétitions, le mental il est présent, il le sait, plus d'expérience, plus âgé, en même temps il a une barbe, ça fait tout. Malgré tout, je suis quand même content de passer en phase 2. Au contraire, je pense que ça nous motive d'autant plus d'essayer de passer la phase 2 maintenant pour essayer d'atteindre les quarts de finale. Ce serait quand même une très belle histoire. Les gens galèrent à passer la phase 1 et ensuite vont jusqu'en quart de finale. J'espère en tout cas que vous êtes derrière nous, que d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, vous êtes aussi un peu derrière nous depuis la vidéo directement. Je pensais que t'allais pleurer. Ah non, non. Arrête. Non, non. Arrête. Arrête, Farès. En tout cas, on se retrouve dès qu'on arrive. Je vous fais un gros bisou. Mesdames et messieurs, la qualité est dégueulasse parce qu'il n'y a pas de lumière, mais les poules viennent de sortir. On a une gigapoule. On a une gigapoule. Non, on est en vrai, c'est possible. C'est vraiment trop simple. C'est Gaino, c'est ceux qui nous ont pris la place. Non, on n'a pas vu les poules. C'est vrai, c'est vous qui nous a dit. Coucou. Salut. Comment? La seule truc qui peut arriver, c'est que si vous êtes à côté de nous, on ne va pas pouvoir ignorer, c'est impossible. Mais par contre, si vous n'y êtes pas, il y a peut-être un monde par l'autre côté en attendant, tu vois. Dans tous les cas, sache-le, enfin, si je vous fais, on va avec cette idée. Je sais. Je vous avais filé un peu, ça me rappelle. Non, mais parce que ce serait honteux, tu vois. On fait cette lame grâce à toi, Kenny. Tu mords un péon. Je perds un peu. Je te nique, mon gars. Je me lève dans la salle. Voilà, c'est l'heure, Kenny. Quoi, moi? Au niveau du cadrage, je m'arrête où? Attendez, c'est flou! La. Bonjour tout le monde, bonjour, yo, let's go, comment ça va? Costard du jour. Du coup, bienvenue dans cette Zilane 2022 pour la phase 2, mesdames et messieurs. On a passé la phase 1 de manière très très close, on est très très fiers de ce qu'on a fait quand même, malgré tout. On se retrouve dans une poule qui est, en toute honnêteté, la meilleure poule de 4 sur laquelle on pouvait tomber. Le trait de Drago a le haut de ponce. Enfin, je sais... On commence tout de suite avec les deux jeux où l'objectif va être de prendre l'équipe la plus susceptible de pouvoir nous dépasser et de la descendre plus bas que le terre. D'ailleurs, en parlant d'équipe, quelles sont les poules de cette phase 2? Pour cette phase 2, on va se retrouver dans la poule 2. Honnêtement, quand je regarde la tête des autres poules,
je suis plutôt content. On aurait pu se retrouver dans une poule beaucoup plus difficile. La grosse équipe à surveiller, c'est l'équipe FC Clair, l'équipe de Kenny. D'ailleurs, en parlant de Kenny, je tiens à lui faire un message un peu spécial. Kenny est une personne extraordinaire, et c'est grâce à lui qu'on a pu participer à la ZLAN. Juste avant la LAN, le jeudi, le PC que Drago devait utiliser toute la LAN a commencé à avoir de sérieux bugs. Le PC, en fait, commençait à s'éteindre dès qu'il le poussait un peu trop dans ses performances. Du coup, le jeudi, juste avant la LAN, Drago n'avait tout simplement pas de PC. À ce moment-là, on a décidé d'appeler Kenny pour lui demander s'il y avait la possibilité de trouver un PC. L'équipe de Kenny qui avait fait un bootcamp dans un café gaming qui s'appelait La Source eSport à Lyon. Kenny a du coup tout de suite demandé à La Source s'il pouvait prêter un PC pour l'événement. La Source, qui d'ailleurs a très gentiment accepté, a proposé à Kenny de prendre ce PC, de nous le ramener, et Kenny devait se porter garant du bon état et du bon fonctionnement du PC jusqu'à son retour. Sans même connaître Drago plus que ça, Kenny a décidé de se porter garant pour le PC que Drago allait devoir utiliser durant toute la LAN. Donc clairement, on lui devait une fière chandelle à ce moment-là. Pour la phase 2, seulement deux équipes vont pouvoir directement se qualifier pour les quarts de finale. On commence sur le premier jeu, Worms, où clairement l'objectif va être de prendre l'équipe Team 28+, et l'équipe Barre de Gérard, et de les tuer clairement tout de suite. Worms, c'est un jeu particulier, on n'avait pas le droit de placer nos verres, c'est-à-dire que tous nos verres allaient spawn aléatoirement dans la partie, donc à tout moment, on peut se retrouver avec un seul verre au moment de jouer. Il faut qu'on le fasse, hein. Détends-toi, mec. On lâche les pressions, mec. Et a été modulé exprès pour cette deuxième phase de groupe, alors qu'un massage, bien sûr, sur... Ils sur ont bien raison de se détendre. Focus, focus, focus. Ok, ça a lancé. Ok, on est les violets. On a des verres bien haut. On a des verres vraiment haut. On a qu'une seule game, hein. Les gars, faut pas se fail. Honnêtement. Ok, ça va. Qu'est-ce que je fais? Tu te mets dans le coin là, je pense, non? Ouais. Tu weekend, tu vois. Vers le haut, c'est Tom-Tom. Vers le haut, vers le haut. Coup de poing, le coup de poing, le coin de feu. Coup de poing à Tom-Tom, t'essaies de l'envoyer de loin. Que le mur. Allez. Bien. Let's go. Nice. Colle-toi, colle-toi. Parfait, mon gars. Ok, ça va. Tu te mets à l'intérieur, on est d'accord. Ouais, vas-y, à l'intérieur. On est d'accord, smooth. Ouais, ouais. On peut pas crafter la grosse poutre qui passe pas le concasseur? On peut crafter la grosse poutre. Vas-y, vas-y. Vous êtes sûr? Oui, oui. Okay. Oui, c'est bon. Les concasseurs ne passent pas dessus. Elle est énorme. L'eau, elle monte quand? Là, dans 2 minutes. Donc on a même pas fait un tour que l'eau monte. Hein. Ouais, je choisis déjà qui va gagner là, en fait. Là? Ils peuvent corner ninja sur toi. Hein. Comme ça, c'est mieux limite. Hein. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Oh, on pourra pas former. Oh, regarde, c'est un truqué. Oh. Un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, 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 bas. Encore, encore. Il va arriver de l'autre côté là. Il aurait dû. Non. Oh, oh, oh. Oh, super. Non, arrête, t'abuses de ouf là. Oh, oh putain. C'est un concasseur. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous. Ah non, si, c'est nous. Oh, on a pas eu de chat. On perd un verre. Hein. Drago 2. Oh, non, vas-y, je te fais quoi. Fat, dis-moi ce que tu penses. Ouais, non, mais le truc, c'est qu'en gros. Oh, il a fait de la merde. Il s'est trompé. Oh, oh, il s'est trompé totalement dans les binds. Oh, 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 la dinguerie. C'est moi, je fais quoi là? TP, TP. T'es sûr que tu veux que j'utilise ma TP pour ça? On a trop de verres au même endroit. Donc je TP là. Hein. Ouais. Tu m'as dit que t'étais sûr, donc vas-y. Non, je peux pas. Si, ah, si. Non. Si, si. T'en es dernier là. Hein. Je peux rien dire, c'est bon. En vrai, on est bien. Non, non, on est archi pas bien. On est là-haut, on est là. On ouais, est on est archi pas bien. Il y a le Sagonade, il va suicider les deux. Un verre chacun. Kenny éliminé. Oh, ça nous. Vas-y. Tiens, mets-toi à ma place, vite. Je mets giga poutre au-dessus de toi. Okay. Comme ça. Ouais. Vas-y, vas-y. Et en fait, il... C'était peut-être le move. On décrafe la banane. Décrafe la banane. Décrafe la banane. Oh, le choix de baiser qu'on va faire. Oh. Let's go. Let's go. Il va mourir de l'eau, lui. Et là, on triple concasse, là. On a juste oui, à triple concasse. Ou même une frappe aérienne, ça passe. Frappe aérienne. Frappe aérienne, c'est plus safe. Frappe aérienne, c'est plus safe. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et les autres, ils meurent de l'eau. Il est mort. Attends, attends. L'autre est mort aussi. Il a pris la caisse. Il a pris la caisse de plein fouet, il est mort. On est top 2. Et lui, il meurt de l'eau. On est top 1. Attends. On est top 1. Attends. Et lui, il meurt de l'eau. Ouais, il meurt de l'eau, forcément. Il meurt de l'eau. Yes! Oh, yes! Let's go! Oh putain! Let's go! Oh mon dieu! J'aime le saucisson! Oh mon dieu! Les gros cerveaux, les gros cerveaux! Les gars, je suis invaincu sur Worms Island. C'est bon pour vous? C'est quoi le prochain jeu? Ah ouais. Geoff. Je suis trop content les gars, on a géré, GG. Putain, vraiment. Et pourtant, ça partait tellement mal. Les gars, pour le moment, je suis un homme heureux. Hein. On enchaîne cette phase de poule 2 avec le jeu Age of Empires. Après notre belle performance sur Worms, on n'avait clairement pas le droit de tout gâcher maintenant. Pour Age of, on n'avait pas vraiment le droit de faire des alliances entre équipes. Par contre, on savait quelle équipe qu'il fallait focus plutôt que d'autres. Pour ce qui est de l'équipe de Kenny,
c'était clairement pas elle qu'on allait devoir taper, parce qu'elle était clairement meilleure que nous. L'objectif était de tuer toutes les autres équipes. En revanche, pour l'équipe de Kenny, elle, c'était clairement intéressant de nous laisser vivre le plus longtemps possible. On était l'une des seules équipes pouvant sortir un adversaire potentiel pendant les quarts de finale. Sur Age of Empires, on a spawn juste à côté de lui et on n'a rien fait. On s'est même pas protégé. On a juste prié pour que ce qu'il pensait, ça allait être ce qu'on pensait aussi. De toute façon, ça va commencer là, go en place, go rejoindre la game, ça va commencer. On va essayer de faire top 2, mais en vrai, on sait pas faire. Hein. Et c'est parti, mesdames et messieurs! Je stresse, mais vas-y. Voilà. Kenny à côté de nous. Kenny, c'est notre voisin. On se va attaquer? Par qui? Par Kenny. Kenny, ouais, Kenny m'a attaqué. Peut-être qu'il veut juste le bois. Il veut juste le bois, là. Ouais, il fait juste un peu la pression. Il m'a clairement dit de dégager. Hein. Galido! Un ennemi a détruit le monument Galido. Ça marche. Kenny, mon vote, défoncé. On va attaquer en bas, non? Ils vont se faire attaquer. Ils sont encore H3. Galino éliminé. C'est le vert. Rase 2. Ouais, c'est pas le tac, non. Fais un double wall ici, en vrai, là. Fais un double wall, absolument. Sinon, vraiment, on va faire. En fait, le vert, il est tout là. Pack d'ac. Mec, on y va. Là, faut que tu n'importe quelle armée. T'as 5 minutes pour faire des kills. On est éliminé. Oh, les gars, on fait. Coucou. Ouais, faut vraiment qu'on le tue. On a 3 minutes 30 pour raser tous ces monuments. Ça passe tous les jours. Faut qu'on en tue 4, c'est ça des monuments? Ouais. Il est là. C'est pas grave, le troisième, le dernier. Il y en a un dernier ou pas? Ouais. Faut le trouver. Ok, le dernier, faut le trouver. Bon, dommage. Tant pis. Faut juste plier maintenant. Okay. On a pas beaucoup fight en vrai, donc il y a un monde qui sont devant moi. Tué. On est top 2. On a plus qu'eux, ils ont 116 tués. Let's go! Yes! Putain, j'ai pas de voix, je vais me péter la. Toi le cul, Kenny! GG, les gars, GG! Je t'avais pas dit de me faire confiance. Si, les top 2 à payer, les gars. Je t'avais pas dit de me faire confiance. Mon dieu, on fait top 2 sur Age of Empires. Premier degré, c'est une perf. Wesh les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Merci Kenny quand même, c'est incroyable. Il a sauvé la game. Ça peut vraiment le faire. Maintenant, on va avoir notre Nemesis un peu. Notre jeu qu'on ne veut pas jouer. Le prochain jeu, c'est Fall Guys. C'est-à-dire, on peut le faire, bordel. On peut le faire. J'évite de casser mon secret. Désolé. Cassé, en fait. Ah, tu fais mal, t'es con, toi. Cool, voilà. T'es con. Ok, ça va lancer. Hein. Du coup, ne te précipite pas, mon ref. Dis-toi que si tu tombes pas, ce sera mieux que si tu te précipites. Ok. Ouais. On se précipite pas. Exactement. Bah, il vient de dire la même chose. Il a dit mot pour mot, on se précipite pas. Je peux une dernière ligne. Moi non plus. On se concentre et on enchaîne. Combien de games les gars? 3. S'il vous plaît, me faites pas spawn derrière. Ok. Let's go! Nice! Let's go! On est passé tous les 3. On est tous qualifiés! Nice! C'est bien! Let's go! Oh, ça c'est dur. Let's go! Allez, fini. C'est long, il est lancelé. Non, c'est vraiment long. Yes! Bien joué, les gars. Moi, je suis pas très bon à ça. La bûche là, saute! Yes! C'est des monstres, putain! Quel fait? Oh putain de sa mère! Je suis pas qualifié. Il est passé. Incroyable. Drago est passé, les gars. Non, celle-là, j'ai beaucoup de mal avec. Drago, c'est ta game. Apparemment, faut passer à droite. Hein. C'est bien. Un tout droit et après à droite. C'est pas grave. Pas ONU, c'est ONU. C'est pas dans le pool. C'est pas dans le pool. On est allé trop loin, mec, vraiment. Il faut qu'on refasse pareil. Bon, celle-là, c'est au petit bonheur la chance.
Je suis pas passé. Bon, j'aurais fait qu'une seule bonne game, les gars. C'est pas grave. Putain, j'ai glissé à l'enfer. Il voulait pas se relever. Frère, relève-toi, cours. Cours, frère. Tu fais quoi? Le mec, il fait un AVC. Il s'est tordu la cheville ou quoi? C'est pas grave, t'es large encore. T'es vraiment large. Ne te précipite pas, mec. Ils sont tous en train de tomber. Ah, c'est pas grave, mec. On se fait pas mal de points. Non mais ça va, les gars. Je vous dérange. Et alors, la réaction de Samy avec Kamel? Bah, ça s'est plutôt bien passé. Samy, il voulait une photo, mais il a pas pu. Genre, à un moment, on était devant le... devant la salle, et... et le... j'étais... il y a le classement. Attendez. Sur le live de Zera. On est premier d'après. Oh non, il l'a enlevé. Zera, on met le classement. Merci. Oh, ça peut le faire, les gars. On peut peut-être le faire. Les gars, on va... il faut qu'on passe en quart de finale. Il faut qu'on passe. Ils ont beaucoup traîné Apex. Hein. Là, c'est un peu le lobby Apex de la mort. Sylvie, putain, j'ai un coup de barre. Non, réveille-toi. Sucre. Sucre. Prends un sucre. Prends un sucre, ah, tu montes tout de suite. Prends un sucre. Oh, la strat. Oh, t'es en train de strater de fou. Bon, full sucré, ça. Vas-y, mangez. Ça a commencé. Allez, pareil, vous comptez. Droite, gauche, fumée rouge. Et vous me dites quand ça drop pas surtout. Ah, fumée rouge, rouge. Non, rouge aussi, rouge, très bien rouge là. Il y a deux teams, il y a une team sur nous. Oui, c'est Ardest, on va au vaisseau. On est clairement pas avantagé par la zone, c'est un peu chiant. Ça tire à gauche. Aussi, Kada, on a un bleu d'eau à gauche, donc c'est putain. Ouais, ça tire ici. Regardez, ils font sur nous. Ils se sont envolés. Ils nous foncent dessus. Faites gaffe. Pas speed. Voilà. Pas tout, lâche une ult. Bichard, bouclier. Il y a une équipe là-bas. Allez, vite. Il y a une team au-dessus, il y a une team là. À droite dans les maisons. Il y a une team en véhicule, là nous fonce dessus. Tourne à droite, on bouge. Il casse encore juste au-dessus. Ah, je me suis tiré dessus. Mets ta boule si t'as besoin. Ok, il vise très très bien. Je suis mort. Il y a des bûchers à se barrer. Ah, t'es mort? Je suis mort. Bon, parfait. On va attendre ici. Évite les déplacements inutiles et on écoute. Il y a une équipe, il y a un stade. Il arrive sur nous. Prépare-toi de barrer s'il faut. Il passe devant, il a vu. Il se barre? Il est tout seul. Ouais, fais-lui comprendre. Vas-y, go, sort. Ok, une team là, une team en face. 1, 2, 3 teams. Viens là. On va se mettre là. Moi, je suis très bien là aussi. Ils sont juste au-dessus de moi, je crois qu'ils vont venir me chercher. Ouais, ils m'en scalent. Ah, il a droit sur moi. C'est Ardest. C'est pas grave. C'est Ardest. Ouais, c'est Ardest, avance. Alors ça par contre qui arrive à déduire que je suis là, ça abusait. Ça veut rien dire hein, on est top 7 mais ça se trouve on est top de la poule hein. Apex c'est notre jeu fort, on peut pas se permettre de perdre des points sur Apex. On gagne des points sur Worms, comment on peut perdre des points sur Apex? Du coup là, reset mental et cette game là on l'a buté. Il y a deux games Apex. Faut qu'on fasse un bon top. On se fait. Regardez bien, droite, gauche, fumée rouge. Y'a personne là. Y'a deux fumées rouges au-dessus de nous. À notre droite. On passe sur nous, c'est bon? Non. Ils ont changé de direction. C'est sur nous. On court. En fait, fumée rouge, ça veut dire Predator, c'est pour ça qu'on y va pas. Predator, c'est le plus gros grade du jeu. On va bouger là tout doucement. Mais là, il y a une chance de rencontrer des teams. Ah ouais, non, on se met là-haut, hein, dans les cailloux là. Là-haut, dans les cailloux, peu de chance que des gens arrivent derrière. On est sûr de tenir un petit peu. Ah ouais, des gens arrivent derrière, mais là, c'est abusé. Bah voilà. Pas tout, on se repositionne. Oui, s'ils nous rush. Ils vont pas nous rush. Cache-toi. Ils se font tirer dessus. Ouais, ils se font tous down à la chaîne, ils courent tous. C'est un film de boule en face. Oh, y'a un mec là. Tire pas, cache-toi. Ah oui, y'a un mec de deux. Et Valkyrie, il y a Predator ici. Cours en arrière, ici là. Attends, vas-y. Sur moi. Fais gaffe, oui. Sur deux. Je suis mort, barrez-vous, je suis mort. Il est tout seul, non? Barrez-vous, non, ils sont trois, barrez-vous. Je suis scanné. C'est pas vers moi. Richard, tu peux tenter le caillou juste derrière toi là. C'est pas grave, c'est juste. Je suis scanné. D'accord, pas vers moi. Wesh. Pas vers moi. Ok. J'aurais pu faire. Hein. T'as nul, Fatou? Oui. Alors c'est le moment. C'est maintenant jamais. La zone va faire trop mal. Trop tard.
Ouais. Oh merde. J'aurais pas dû, mais en fait j'aurais dû courir. Oh putain, on fait 2x7. Enfin, tout va jouer sur un jeu de voiture qui a bondi. Bon, je pense qu'on fait 3-4 sur Apex. Il faut être meilleur. Il y a le classement. On a 3 points d'avance. C'est vrai ? Non. On a 3 points d'avance ? Ouais, apparemment. Faut qu'on fasse top 3. Au moins top 3. On a vraiment fait 1, 2, 3, 4. Hein. Je suis explosé. Hein. Allez, concentration, les gars. Hot Wheels, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu un peu spécial. Hein. Inspiré du jeu de voiture auquel on jouait quand on était enfant, c'était un Trackmania-like. Le but était de finir la course le plus rapidement possible. Et tout ça mélangeait un petit peu avec Rocket League. On avait du boost, on pouvait se décoller de la piste, faire des cuts qui étaient tout simplement monstrueux. Hot Wheels était l'un des jeux qu'on avait le plus train, donc on était clairement confiant, mais on avait extrêmement peur que les équipes en dessous nous mettent des queues de poisson pour pouvoir nous empêcher de performer. Concentration pour la map. Et pour nous. Takini m'est rentré dedans, il m'a int au début. On n'est pas triste. Let's go. Troisième. J'étais cinquième au début, hein. Je me suis fait soulever. Hein. Pff, let's go. Let's go! Nice! GG les gars, GG. GG, putain, GG. Je pense que là c'est bon. On peut pas piquer. On peut rien piquer. Est-ce que Richard, pour la seule LAN, regarde vraiment, est-ce que tu passes les poules? Est-ce que cette fois-ci tu vas réussir? Est-ce qu'on fait partie des 8 meilleures équipes de la LAN? 8 meilleures équipes, les gars, 8 meilleures. Là, en gros, c'est que l'élite là. Là, c'est vraiment que l'élite. À ce moment-là. J'espère qu'on est qualifié, mais en vrai, en toute honnêteté, je m'en doute un peu. Ce serait une grosse surprise qu'on le soit pas. Malgré tout, j'ai toujours ce petit stress qui entend moi, qui me dit « Mec, si ça se trouve, il y a une équipe qui a performé de ouf et elle nous passe devant. » Comme si tout ça n'était pas assez stressant comme ça, Zerator nous réunit au centre de la salle, toutes les équipes, pour déterminer les 8 quarts de finalistes. Allô ? Alors, je vais donc annoncer les qualifiés. Alors, tous les joueurs qui jouaient encore en phase de poule, venez, rapprochez-vous. Mesdames et messieurs, pour les premiers qualifiés qui vont partir en quart de finale, merci d'accueillir Slide into DM, seed 1, le seed 2 de la poule 1 qui a réussi à se hisser. La bagarre a fait rage pour ce seed 2, mais ceux qui passent, ce sont Goalkeeper décevant. J'ai ensuite la poule 2. Mesdames et messieurs, sans trop de suspense, le seed 1 et le FC Clair qui va se qualifier pour aller en quart de finale. Félicitations à vous. Bravo, félicitations, Kenny Hardes Nuja. Et là, c'était un peu plus disputé. Le deuxième seed de la poule 2, mesdames et messieurs. Mais l'équipe qui a réussi à se hisser pour aller en quart de finale est l'équipe To Go Hard, mesdames et messieurs. Bravo à vous, l'équipe de Bichard, très émotive. Avec ses supporters, bien sûr. Félicitations. Alors là maintenant, là on arrive à un stade de la compétition assez compliqué. La poule 3 qui a été très disputée, mesdames et messieurs.
Mais il en est ressorti, deux équipes championnes. Compliqué, le seed 1, c'est Mercatohead, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, c'est Bichard, on se retrouve pour un nouveau stream LOL. Je vais aller manger, les frérots, c'est l'heure du futulu, voilà. On vient de réaliser nos picks pour les quarts de finale, on sait ce qu'on va jouer, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'ils ont pris. Maintenant c'est juste le jeu aléatoire. On est en quart de finale, bordel, genre wesh, c'était improbable, on est en quart de finale les gars, let's go! Alors pour cette demi-finale, on va affronter, mesdames et messieurs, l'équipe de Mercatohead. On affrontera Nico, Tita, Titutu, tac. On jouera, mesdames et messieurs, en premier, je pense, Pro Soccer Online, qui est un jeu de foot qu'on a beaucoup joué en vrai. Bien évidemment, un jeu comme PSO se doit bien évidemment d'être encadré par un arbitre professionnel. Attends! Les gars, il y a MB qui a mis carton. Tu vois, mais, ah oui, effectivement, le porte-carton. Ça c'est merci à Bichard. C'est porte, c'est carton. Mesdames et messieurs, je vais tirer au sort les jeux aléatoires. Oh mon dieu. Et enfin, quart de finale numéro 4, Mercatohead contre To Go Hard. Mercatohead a pris Pro Soccer Online, To Go Hard a pris Apex. Le dernier jeu sera... Attends, ils sont mélangés ensemble, hop. Oh. Ça, Age of Empires. Vous pouvez applaudir Dash, s'il vous plaît, main innocente. Désolé. Je n'ai pas applaudi par toutes les équipes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, en vrai... Vous êtes pas chaud, on perd Apex, comme ça on joue pas à Joff. Bon, en vrai, moi, je veux pas jouer à Joff. Arrête. Mais les admins se foutent de nous. Ok, je vais être à mur, y a rien qui va passer. D'accord. J'ai juste besoin d'une chose. De vous empêcher de tac de jouer. Vous êtes à deux sur lui en permanence. Vous ne le laissez pas jouer. Vous ne le laissez pas respirer. On stack. Silence en PSP, de notre côté avec Victor. Ça joue. Oh, dommage. C'est pas grave. Ça tire ? GG. Ouais, là tu vois, il m'a Mais le problème c'est que je suis derrière. Désolé. Oh, nice. Monstrueux. Désolé. C'est pas grave, on continue, on avance. On a déjà été meilleur aussi. Je suis au mid. Non, j'ai Vince. Je me prends une barre transversale, c'est abusé. Je parle long. Oh non! C'est pas grave. Oh, j'ai pas baisé. Putain. Ça fait très bien qu'il nous oublie tard sur le jeu. Ouais. Oh, le but! Hein? Mais lui, ah, mais je touche, hein! Le long. Jeu, mesdames et messieurs, ah, et le but. C'est bien, c'est bien. Le but de Bichard qui exulte. Ah oui, l'éructe de joie. Il exulte bien sûr sur sa chaise. Pardon. Attention, il tire. Oh, c'est abusé. Il t'aime. Bravo. Non mais en vrai par contre point positif, les 3 dernières minutes nous mettent 0 but. Une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on aille vraiment tous les deux sur tac, 3, 2, 1, vas-y go. Bien joué Drag. Allez. Là, stack shot. Vas-y. Bien joué. GG. Les bleus qui retournent à l'attaque, peut-être le but. Oh, le premier oh, but. Le but de l'équipe. Le but de Fatou. Filet. Assisted by Bichard. Et sur leur propre place, les gars. Sur leur non, non, ouais. Faut se concentrer, faut défendre. Parfait. Non, j'ai pas tiré assez fort, j'ai pas eu le réflexe. Allez, vas-y. Oh non, il va arriver à toi. Oh. Let's go.
alors que It's le match... It's the World Cup! Oh, what the fuck! It's the World Cup! On est à 2 minutes de jeu, quasiment à la moitié du match, mesdames et messieurs. Là, mais ça devait être un stomp! Et là, c'est pas... Oh! La transversale sortante, malheureusement. Incroyable, quel niveau de jeu déployé. On croirait presque que le jeu est jouable, et ça, c'est pas... Oh là là! Il va commencer à backlinker. Allez. Yes! Yes! 4-0, il me disait! On tempo, ça tire. Ok, excellent! C'est pas grave, c'est pas grave, on enchaîne, c'est pas grave. Allez, Bichard! J'ai fail. 10 secondes, pitié, 10 secondes. Ça a tiré direct, hein, ça a tiré très vite. Hein. Et l'équipe de Bichard va donc remporter cette deuxième manche. C'est fait, regardez-les! Regardez-les! Oh oui, il éructe de joie encore! Ils ont été si solides! Oh la vache, c'est la Coupe du Monde! Imprenable! C'est la Coupe du Monde, ça fait donc un partout! Oh là là, on voit tac, le masque! Ah voilà, le masque doit tomber, hein, tac, malheureusement, là, il faut se chauffer, hein! Il faut se chauffer. Bichard, il en revient pas de sa vie. L'adrénaline va peut-être être trop haute. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner la game 2? On se reconcentre. 2 secondes. On prend 2 secondes. On continue. Ça nous manque confiance. C'est très bien ça. Il passe. Ouais. Il tire. C'est pas grave. On a eu des moments meilleurs. Là, ça les met en confiance. C'est pas grave. J'arrive pas à suivre, hein, vraiment. Wow. Non, j'ai croqué 1000 fois. T'inquiète. Ça tire. J'ai contré mais pas assez. C'est pas grave, on enchaîne les gars. C'est rien, on leur a pris un match les gars, c'est énorme déjà. Bien. Yeah, boum, je suis dans ton cerveau. On va jouer à 3, hein. Ah putain, mais t'as vu, je laisse tout seul pour venir de l'aggro. C'est trop chaud, c'est trop dur. J'ai croqué, ouais. Ah putain. Je compte. Ouais, là c'était difficile. Il reste 5 secondes, c'est pas grave les gars, on reset mental là. On peut encore les prendre. On a pris un match les gars. On a pris un match, c'est immense hein. Allez, troisième match. Ok. Enfin quatrième. On est déjà à 4 matchs les gars, on est censé finir là. Lève, il lob. Kuntita. Il veut tirer hein. J'arrive pas à suivre mec, j'arrive vraiment pas. Ok, c'est pour toi Fat, tu l'as. Voilà, c'est bon, c'est pas compliqué hein. C'est pas compliqué, ils ont autant de faiblesses que nous hein. Et Bichard ? Oh dommage. Yes ! Let's go ! On comprend pas. Dommage, je me l'enlève. Ouais. Faut quand même mieux lire. Ouais, là, en fait, les gars, je vous ai pas au milieu de la game. Tu m'entends ou pas sur Discord? Oui. Ouais, bah, je sais pas parce que tu m'entends pas en fait. Faut qu'on quand même un peu mieux. On vient, t'as vu? On est dans leur tête, ils sont en mode c'est facile. Je centre. Yes! Let's go! Wouhou! Il reste 2 minutes, allez! Les gars! Ah, tac, tu reviens pas en défense là! Mais parce que tu dois me la faire tout le temps, non? Mais je. C'est pas. Allez les gars, allez! Ça tire. C'est pas grave, ok? Yes! Let's go! Ils sont en train de break mental down là, ok? Non, oh non! Ça tire, ok, ça retire. Ça tire? C'est pas grave. 4-4, c'est rien. Tu peux pas le prévoir ça. Même eux ils peuvent pas le prévoir, ok? Allez? Oh. C'est pas grave, GG. Non! Dommage. Les gars, c'est bon, c'est rien. C'est bon. C'est leur pic? On leur a tenu presque 2 matchs sur leur pic, c'est bon. Putain, ça fait 2 semaines un peu, hein, ces jeux, on a été bons. Hein. Vraiment, j'espère qu'on vous a proposé du beau jeu. Hein. Mon
Un Tac qui est abattu, hein. Abattu d'avoir Bichard, été. Toujours le beau jeu, faut que je lui rende ses cartons d'ailleurs. C'est vrai. Tac, il est sonné là. Ah, j'avoue, il a tout donné là. Il a été bousculé par ce niveau de jeu, je pense qu'il a été surpris. Dommage, hein. C'était fou. J'étais presque, j'étais presque. À la fin, j'ai le démon. Ah oui. Ça t'a été utile un peu? Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai dit. J'espère. Ils nous ont vraiment dit en 15-0 quand même. Ouais, vraiment. Non, ils étaient confiants. C'était un stomp et pas du tout. Non. C'est trop beau, franchement, c'était trop bien. C'était bien. Bon, ça va pas être une masse à faire, les gars. Je vous mens pas. Ils sont forts et ils sont confiants. Les gars, je rush le heal. Hit moins 9. Encore sur l'autre heal. Allez, go. Ils sont en bas. Ils prennent l'avantage de ouf en termes de dégâts là. Il a pris, il est break, il est break, lui il est break. Faut qu'on avance, hein. Je mets une zone. J'ai mis la bulle. Je les break là. Comment? On continue. J'ai eu tout là. Oh, j'ai lancé ma bulle sans exprès. Break, enfin, c'est KO, Tita. Je suis KO. KO encore. Jaguar! Allez! Ah non, j'ai mis, ouais. Non, je fais, hein. J'ai mis une tête là. Break. Sur moi, il me rush. J'aurais mis deux grosses balles. Tombé, un mort. Yes! Let's go! Monstrueux. Rachetez-moi une souris. C'est de la merde, ça. Break. Mon câble de souris, putain. Break. Celui-là où il est break, hein. Celui-là, le gibi là-haut. Le gibi là, il a... Il a pris cher, hein. Ils doivent monter. Ils doivent monter, tranquille. Ah, ils vont en dessous. Go les chercher vite, non? Ah non. Il est Break. Mort. Soit tu colles pas, parce que moi tu me dis tu vas jouer vite, je vais vite. Il est descendu direct. Bah oui, moi tu me dis, on va aller chercher vite, non, moi j'y vais, hein. Ok, on a pris une game. Allez, go, les gars, go. Non, on vous fait confiance, les gars. Break. Hein. Non. Sur moi, Jimmy fonce. Un KO. Là, la fin de HP là. Derrière vous, la fin de HP ici. Ici. Mort. Là, 2 HP dans le plane, ici, sur Bichard. Yes! J'ai contourné comme les renards des surfaces. Voilà, c'est ATP, ils sont en face. T'as l'heal ou pas encore? Prends le heal, couvre la boîte. Le laissez pas avoir. Down, on peut rush. On peut rush. Mort. Nice. Sur moi le dernier, sur moi. Fais gaffe. Break. GG. Nice, les gars. Ça touche pas mal de mon côté, Break. Oh, il passe sur la gauche. Ils sont au pen field. Hein. Ouais, ils sont là. Down. Yeah. Ouais. GG, les gars, GG. No, it's off, no. Pourquoi?
Oh là là ! Oh là là, mais quel game d'Apex, quelle folie ! On part sur quoi là ? Là, on part sur Age of Empires. Oh là 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 là. C'est là, c'est pas loin. Oh là 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 là. C'est pas loin. C'est grâce au skim, c'est grâce au skim. C'est grâce au skim. Non mais vraiment, je rigole zéro. Je rigole zéro. Vraiment. Je relance tout de suite le stream chez sur un autre PC, ok ? J'entends en écho, hein. J'ai un écho, hein. Ah non, bah, tu te rends compte, c'est juste que j'ai une oreille. Ok, oui, et du coup, c'est pour ça qu'en gros, du coup, on a étudié. Concentré, les gars. J'essaie de me concentrer. Dans tous les cas, ça aurait été une bonne blague. Dis pas cette phrase, par contre, hein. Okay. Je suis trop. Non, ok. Non, mais pas pour le live. Ah, ok. Ah, ok. Parce que sur le foot, t'as trop explosé, Game 2, t'étais lavé. Ah, oui, ça se voit. Ça se voit. Ok, je me calme. Ça roule. Moi, ça me bat très bien. Oui, ok. Ok, ça roule. Pardon, c'était les derniers conseils de Zerator. Drago il est en train de troubler les gars. Eh hey, Drago ça va aller mec. Ça va aller. Tellement donné pendant cette LAN et ça signe sur une game d'AO. Le seul jeu où ils ont un pro frère. Ça pour que le PC qui joue actuellement c'est pas le PC qui stream. Ça me détruit. Je suis en train de faire une... J'ai une régie derrière. Il y a zéro van. J'ai une régie derrière. On en a fait plein des games Patou. On y va. Et aucun regret mec. On a passé 40 heures. On a passé des nuits blanches. On a passé des nuits blanches sur ce jeu Patou. On l'a lancé le jeu. On l'a lancé. Allez, 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 on y va. J'attaque juste en face de moi. Il rush. Ici. Il y a Tita sur moi. Oh là là, Bichard, incroyable. Bichard qui joue un truc qui s'appelle Pro Scout. Donc il, en fait avec les scouts, il peut aller récupérer les serres sur la map. Et ça, oh mais ça me régale. Ça régale. Je touche ça. Mes tétons, tu me régales Bichard. Tu me régales. C'est que c'est pas si facile à faire, c'est pas mal d'APM et tout. Et il peut prendre ça les serres de toute la map. Ça fait de la bouffe. Ah non, ça nous régale. Ah non mais là, il me régale. Go, on les retourne, hein. On les tue tous, hein. Il m'attaque. Il a pris tous mes villageois, hein. Il est en train de me détruire, hein. Bon, ils sont chez moi, là, c'est bon, c'est perdu. Tant pis, hein. Ouais, que ce soit eux. Non, non, quand même pas. Ah, c'était legit, hein. Faut rien faire, Contita, tu vas faire quoi? Ouais. C'est quoi, on regarde ou on laisse? Allez. Rien. Ah, pépé, pépé. Les gars, pas grave. Ah, l'émotion, bah, en vrai, surtout qu'en plus c'est serré comme ça, t'as vraiment envie d'y aller à fond. C'est clair. Et c'est normal. C'est la Zilan et. Ouais. Clairement, bah c'est cool de voir ça. C'est quand même des belles images, c'est vraiment stylé. Bon, dans tous les cas, mesdames et messieurs, je vous invite à vous rappeler que c'est quand même une compétition Zilan. J'ai vu notamment plein de gens insulter Game Ward la dernière fois et tout. Et j'ai vu qu'ils se prenaient un shitstorm sur les réseaux et tout. Mais faut pas faire ça, en fait. Il faut pas critiquer les joueurs, quoi qu'il arrive. Tout le monde se donne à fond dans cette Zilan. Tout le monde veut avoir son mot à dire. Tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice et veut évidemment avancer. Tout le monde va être récompensé du commit qu'ils ont mis dans l'entraînement. Non, c'était pas mal. Bah oui. Il y a un très 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 beau truc. Les gars, vous nous avez fait un parcours incroyable. Voilà. Vous nous avez fait rêver, les gars. Vous nous avez fait rêver le peuple. Oh, Drago, il... Oh non, mais... Non. Oh non. Elle était incroyable, cette LAN. Tu l'auras mis en même temps. Bon. Entre vous et moi. Ah, c'est dur. C'est dur, mais une LAN, c'est ça aussi, tu vois. J'ai l'impression que... Une LAN, c'est terrible parce que jamais personne n'en sort heureux, tu vois. Sauf une équipe. Est-ce que c'est pas un peu égoïste? On s'arrête aux portes de la scène et on s'arrête aux portes du public. On s'arrête aux portes de beaucoup de choses. J'ai la haine en fait, je suis frustré par PSO vraiment. En tout cas voilà, c'était une très bonne LAN, vraiment incroyable, je garde un souvenir fou. C'est rare que j'arrive aussi loin. Bah écoutez les frérots, je pense que j'ai plus rien à dire. On va se laisser là. Je vous remercie pour votre présence présentielle. Je tiens à remercier mes ultra Bichcorp. Ont été présents quand même sur ce stream, merci beaucoup. Et je vous fais des gros bisous les gars, merci beaucoup d'avoir soutenu cette équipe. Très belle expérience, génial. J'ai rencontré plein de gens, vraiment, c'était... Je regarde un très très bon souvenir, vraiment excellent. On verra l'année prochaine, hein. Mais la Zilan, c'est fini pour nous. Reposez-vous bien, à moi de même. Bisous, tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette Zilan 2022. On se retrouve éliminé sur Age of Empires.
en quart de finale. Toutes les équipes qui finissent en quart de finale sont considérées comme top 5 de la compétition. Donc sur 77 équipes, on finit top 5. Top 5 Zilan 2022. Et clairement une paire. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, on va réussir à vous transmettre un peu les émotions qu'on a vécues sur le moment. Aussi bien la joie d'un côté, mais la tristesse de l'autre. Si on était tombé sur un autre jeu qu'Age of Empires, est-ce qu'on serait en demi-finale? Malgré tout, aller en quart de finale de la Zilan 2022 est une expérience incroyable et une performance, faut le dire. Et ça nous donne encore plus envie de performer l'année prochaine. Qui sait, vous savez, il y a un Game Pass qui arrive dans quelques mois, peut-être que... on essaiera d'aller en demi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Vous êtes peut-être une centaine sur la première YouTube. Pour ceux qui sont actuellement sur la vidéo, je vous invite à vous abonner. Peut-être qu'on atteindra les 100 000 avant 2024. Vous savez, j'aimerais bien mettre un trophée sur ce décor. Et ça dépend que de vous. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça vous semble bénin, ça vous semble inutile, mais pour un YouTuber, ça apporte énormément, ça référence énormément la vidéo, et ça permet à beaucoup plus de gens de la connaître. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. La Zilan était une expérience incroyable, mais ce n'était pas la dernière à laquelle j'allais participer.